Et donc yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous portez tous très bien. Les petits frérots, aujourd'hui, deuxième vidéo réaction, non pas par rapport à un clip musique, rien du tout, rien à voir. Les gars, je sais pas si vous connaissez Jilsi, alors youtubeur, instagrammeur, il est super drôle, franchement, ce gars là, il me fait péter des barres. Et là, j'ai vu qu'il est, 18h59, et j'ai vu qu'il avait sorti un nouvel EJTV, du coup, je veux vous le faire découvrir, si vous connaissez pas, bien évidemment. Je sens qu'on va se taper des barres tous ensemble. À chaque EJTV, je me tape des barres, du coup, pourquoi pas découvrir ensemble, c'est parti, let's go. Alors là, du coup, les gars, on est sur sa page Instagram. Son IGTV, il est juste ici. Du coup, les gars, c'est parti. Cinq. La dernière petite touche. Et voilà. Un joli petit maquillage des lions. Pour Halloween. Ça y est, papa, je suis un vrai lion. Oui, enfin, théoriquement, tu restes encore un humain. Attention. Mais quand même, tu ressembles vachement à un lion, là. Ouais. T'as tout fini? Ouais, c'est fini. Oh, papa, je peux aller voir dans le miroir. Non, fais confiance, mais vas-y, du coup. Mais papa, il n'y a aucun maquillage, là. Ah bon? Bah, papa, non. C'est louche, cette histoire, encore. Il est pas sous ce putain. T'as dû le faire tomber en te levant, moi je vois que ça, mais je t'ai dit de pas te lever, hein. Je te dis, tu m'écoutes jamais, c'est de la peinture à l'aquarelle, faut connaître ça, que ça tombe, ça glisse. Papa, tu mens. Regarde, regarde, j'adore son style de... d'acteur. Ça c'est un lion. Eh, hey, les braconniers. Vous avez pas vu le lion qui rôde? Bougre de chien. Mais frère, tu casses les couilles toi aussi, frère, tu demandes des maquillages qui prennent 3 plombes. Il fait déjà nuit, il est tard, on va même pas sortir. Je il gère tellement le montage en plus, c'est ouf. Putain, mais papa, tu te rends compte que moi, petit être adorable, j'ai jamais des fêtes comme tout le monde? Comment ça? Mon dernier anniversaire, tu savais très bien le cadeau que je voulais. Est-ce que je l'ai eu? Non! Alors que je voulais juste Gims. Maître Gims. Mm-hmm. Maître Gims, ou ben là, Maître Gims. Normal que j'ai pas réussi à l'avoir. Je te déteste. Je suis désolé. Fais-moi mon maquillage, papa. Ah bah j'allais le faire, c'est fou quand même le coup. Ah là, il rajoute des personnages, c'est une tuerie. Quand il rajoute des personnages, c'est une tuerie, les gars. C'est une tuerie. Salut. T'es prêt pour le Netflix? And chill. Ouais, juste on avait dit qu'on payait l'abonnement Netflix à deux. Là c'est le deuxième mois de prélèvement et j'ai toujours pas eu ta part en fait. Ouais, enfin l'abonnement on verra plus tard. Là je te parle surtout. Eh frère, ses voisins. Ses voisins dans l'appartement, ils doivent se dire mais wesh, pourquoi il parle solo lui? Bon, regarde quoi, chérie? Oh, je peux regarder le film avec vous? Mais toi, laisse-le ça un petit chapeau, mec. Non, toi, tu vas dormir, il est tard, toi. Mais elle est sérieuse, la grognasse, là? Eh, oh, avec ton père, on va regarder un certain style de film et on va faire un certain style de soirée. Quoi? Donc toi, tu vas dormir, il est tard. Maman, la vie de ma mère. Vous me faites un petit frère ou une petite sœur, je le fous dans le congélateur. Eh, tu vas au lit maintenant. Vas-y, mais c'est bon, mais t'es pas ma mère. Quoi? Moi, je suis pas ta mère? Mon vagin là, déchiré de 24 cm pour faire passer ta grosse tête, on dirait Black M. Et moi je suis pas ta mère maintenant. C'est un baiser. Pute. Ouais, c'est ça. T'es qu'une capote qui a craqué, mon pote, hein. Mais même les le son, l'audio, il est bien fait. De toute façon, je suis sérieuse maintenant qu'on est tout seul. Ouais, tu veux choisir ou choisis? Parce que moi j'ai ma petite idée de film. Ouais, après, je vais pas te mentir, c'est pas tellement le film qui m'intéresse là. Ok, alors on regarde. Tiens-toi bien, Halloween. Par rapport au fait qu'on soit Halloween, on regarde le film Halloween. On regarde Halloween, Halloween 2. Halloween. Non mais j'ai capté, j'ai capté. C'est un fou malade. Eh ben on est parti alors. Il faut bien quitter la gang, tu es premier en par ici. J'ai mal partout, espèce de pute, je suis invalide. Non, mais attends, Ouais, mais putain, mais elle est complètement ravagée, la connasse, là. C'est une 4K, ça coûte une barre, je la paye sur 10 ans, hein. Putain, elle est complètement explosée, là. Bah t'as qu'à m'éclater pareil, alors. Ok. Wesh. Oh là là. Quel boy, wesh, je suis mort. T'es sérieux, là? Merci pour ce moment. C'est une blague, là, j'espère. Allez, on relance. Il y a une toute nouvelle serveuse au bingo au centre-ville. Mais on voit même plus l'écran. Là, en haut à gauche, on voit un peu. Ah, cette espèce de pute qui a les seins. Oh putain, mais c'est quoi encore ça là? Oui. Des bonbons ou une plainte pour attouchement? Mais wesh, hé les gars, c'est une dinguerie. En fait, il fait l'IGTV et il se sert des filtres Snap ou Instagram, je sais plus, pour rajouter des personnages. Et c'est une dinguerie, je kiffe, c'est trop drôle, wesh. Dites-moi en commentaire, les gars, pour l'instant, c'est une dinguerie. Sur mineur. Pardon? Des bonbons. Mais pourquoi je te donne des bonbons? C'est chelou. Mais parce que c'est Halloween. Non mais je rêve. Ah, mais c'est pas des bonbons ou un sort qu'on dit normalement? C'est pas ça la phrase? Bon, je vois que vous optez pour la deuxième solution. Au secours, il me touche les fesses.
Prends tes bonbons de merde là. Casse-toi. C'est la décision. Bon allez, on regarde le film là, putain, maintenant c'est bon. Oh putain, mais ça, c'est quoi ça encore? Quoi encore? Oula. Bonsoir. Bonsoir. Des bonbons, bonsoir. Non, mais monsieur. J'appelle Bastien. D'accord, Bastien. C'est quoi cette gueule? Les bonbons, c'est pour les enfants. D'accord? Vous pouvez pas faire ça. T'as pas des tickets resto? Non, j'ai pas de tickets resto. Je peux rester un peu? Non, maintenant. Mais pourquoi? Bon, Bastien, désolé, je vais fermer la porte. D'accord, on est un peu occupé. Vous baisez là? Non, on baisse pas. Presque, hein. Ça sent la baise. Je sens la baise. Allez, Bastien, d'accord, faut rentrer chez soi maintenant. Je vais fermer la porte. La porte se ferme. Oh là. Putain, mais je vais jamais réussir à regarder Halloween à Halloween, quoi. Pourtant, la vanne est vraiment folle. Arrête de me regarder comme ça, toi. Hein. J'ai juste envie de Ken. C'est pas un crime d'avoir envie de Ken. Oh, ça m'a excité, ça. Écoute, je relance le film. Ma mère, la grosse reine des putes, si je dois l'arrêter maintenant, j'espère que c'est clair. La sauterai, puis qu'à bout, ça montrerait de sperme sa belle paire de nichons. Et ben voilà. Ouh, je vais tous vous tuer, surtout toi, papa, tu en fous. Oh, mais enlève ça, putain, tu m'emmerdes, toi. Mais putain, c'est bon, on peut jamais rien faire dans cette baraque, là. Mais pourquoi t'es tout nu? Bah parce que j'ai enlevé mes vêtements. Mais pourquoi t'as enlevé tes vêtements, pourquoi? Bah parce que c'est Halloween. Mais ça se tient pas, ça explique rien là ce que tu me racontes. Oh, c'est tout mignon. Viens, viens, mon cœur, viens. Papa, il est méchant. Viens t'asseoir sur mes genoux, viens. D'accord, maman. Ouh là là, papa, j'ai un truc qui me gratte derrière le dos. Allez, allez, s'il vous plaît, c'est bon. Est-ce qu'on peut regarder le film, s'il vous plaît? D'accord. Merci. C'est une dinguerie, je kiffe. En fait, je crois que ce que vous avez pas compris, c'est que je vais me foutre une balle de 9 mm entre les tempes. Et ça va s'arrêter là pour moi ce soir en fait. Bah une panne de courant je crois bien. J'avais compris que c'était le coupure de courant, merci. Ah bah là il fait tout noir hein. Ta gueule, ta gueule. Ah bah il fallait qu'on se retrouve dans le noir pour que tu te réveilles toi hein. Oh. Oh. Ouh putain tu m'avais jamais fait ça. Putain espèce d'enculé. Oh wow, putain mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est bon ça remarche non? Chéri. Attends mais t'es où là? C'est un fou wesh. Attends, mais c'est une dinguerie son GTV. Bah non papa, tu vois bien qu'il fait noir encore, c'est vérifiable enfin. Attends, mais ça veut dire que... Bougre de chien là, encore. Okay. Les gars, n'hésitez pas à dire en commentaire si c'est une dinguerie. On va pas se mentir, c'est énorme wesh. Je vais retirer doucement mon cul d'ici. Ah ok, c'est bon. Ok, attends. Ça fait cool. Là, je sens que ça va être une dinguerie. Je sens que ça va être une dinguerie, les refs. Mais wesh, frère, c'est quoi ces filtres? Où tu les as trouvés, Jilsi? Putain! Merde. Get sa gueule. Get sa gueule. Et la lumière fut. J'ai remis la lumière. Mais Sébastien, ça... Eh, mais gros, toi, t'es chelou, toi. Comment t'es rentré? Bah oui. Comment ça, bah oui? Papa? Eh, les jeunes. Oh, putain, stylé, le costume, là. Papa! Attends, mais c'est incroyable. C'est super bien fait, ton truc, là. Putain, c'est fou, frère. Oh, ça doit coûter une blinde, ça. Putain de gosse de riche, les deux, là. Incroyable. Putain, papa, c'est des vrais extraterrestres, là. Tu vas nous foutre dans la mouise, là, encore, là. Ouais. Wesh, t'imagines les gens, les voisins du dessus, s'ils entendent ça. Tu fais chier avec ça. Personne me le dit, personne me le dit. Personne te le dit, moi je te le dis, tu fais chier. En réunion la dernière fois, Dominique, il les avait là, on les a tous là, frère. Il va falloir arrêter avec cette voix. C'est bon, mais c'est pas la peine de me foutre la honte comme ça devant les humains. Et vous êtes là pour quoi, au juste, en fait? Toi, tu fermes ta gueule, on parle pas aux humains, c'est clair? Vous êtes là pour quoi, au juste? Tous les premiers mercredis du mois, nous devons venir sur Terre, afin de prendre un humain et d'en faire une offrande à notre dieu. Tristan, tu commences à me chauffer là en fait. En fait, je peux jamais. En fait, je peux pas parler en fait, quoi. Hein? Et comment il s'appelle votre dieu, si c'est pas indiscret? Maxime. Maxime. Maximilien, on l'appelle Maxime. Bon, on prend qui là? Il nous en faut un d'entre vous. Bastien, t'es chaud toi, non? Pour ça? Ouais, bah on a qu'à faire comme ça, ouais. Eh bah allez, debout l'horrible. On y va, en route? Oui, enfin l'horrible. En rancune, hein, Bastien. Oh,
mais ça y est, deux fois là. Elle a dû faire un bail sur le montage pendant le tournage avec les lumières. Il a géré, c'est tellement bien fait. Incroyable, vous avez vu ça là? C'est quoi ça? Un peu moins, c'était nous là dans le vaisseau. Hein. Ça c'est des phares Xénon mon pote, hein. J'avais ça sur la 607. Mais on s'en bat les couilles ta 607 là frère. Je te jure frère. Putain, mais c'est quoi ce truc dégueu que vous nous avez ramené là? Mais putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, Bastien? Putain. Tu nous chies dans la colle là, Bastien. Bah oui, mais ça veut rien dire, bah oui à chaque fois. Ah, gros dégueu. Tu peux pas t'en sortir tout le temps avec un bon. Oh, t'as recommencé. Non, il tue souvent, il est taquin. C'est sa manière de faire, faut pas le prendre mal, d'accord? Ok, dans ce cas, ce que je peux vous proposer, c'est ma femme. Je sais qu'elle aime bien faire des offrandes avec son cul. Donc sur ça, ça peut le faire. Ouais, on peut. On peut s'arranger. Horrible. Ah. Ok, alors, attendez. C'est quoi ce produit rouge? Aucun problème. Oh putain. Il reste juste un personnage. La police nationale, j'écoute. Hein. Oui, allô, j'ai besoin d'aide, vite, là. J'écoute, hein. Oui, j'ai besoin d'aide, il y a des extraterrestres qui sont chez moi. Ils ont tué Bastien et ma femme. Non, des extraterrestres, vous dites. Oui, exactement, des extraterrestres. Ouais, vous avez rien d'autre à foutre, hein. Vous croyez qu'on nous l'a fait jamais, celle-là, ou quoi? Oui, non, mais j'imagine bien, mais je vous jure que c'est vrai. Il faut vraiment venir, c'est pas des blagues. C'est un fou, Tu veux pas me bouffer le cul, non plus, hein. Pardon? Allez, bonne soirée, monsieur, c'est parti couvert. Tocard. Alors là, je suis sur le cul, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Wesh. Tu bouffes de l'extraterrestre, là? C'était eux ou moi, papa? Il voulait m'embarquer dans le vaisseau. C'est à quel coup? Tu vois la kefta? Ouais. Bah c'est un peu ça. Ok. Juste, tu comptes bouffer tous les corps là? Pourquoi? Non, parce qu'on a quand même 4 cadavres sur les bras. Je veux dire qu'on va en chier sur le ménage. Hein. Tu as 4 cadavres sur les bras, papa. Comment ça? Et t'es sacrément dans la merde, mon pote. Attends, qu'est-ce que tu me fais là? Malheureusement pour toi, je suis de la police et j'ai tout vu. Hey, oh, mais c'est pas moi ça, oh! Vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire sur votre femme et votre ami Bastien. Mais je le connais pas, Bastien! J'en ai rien à foutre. Assassinat et goûtage d'extraterrestres en bande organisée. Personne peut nous canaliser. Mais c'est toi! Outrage à agent. Et je rajoute falsification de maquillage de lion. Si tu crois que je vais oublier ça, espèce d'ordure. Pourquoi tu fais ça? Mais parce que c'est Halloween! Oh, putain, je suis au fond du gouffre. La fin, les frérots! Oh, c'est pas bien. C'est la fin. C'était une dinguerie. La vie de ma mère, c'est une dinguerie. Si vous avez pas compris la fin, les gars, n'hésitez pas à aller voir tous ces IGTV. Parce que là, c'est le dernier qui l'a sorti. Mais il y en a plein. Il y en a, je sais plus, je crois qu'il y en a 4-5. Et c'est une dinguerie. La vie de ma mère. Est-ce qu'on ferait pas un concept de vidéo en mode on essaie de faire un IGTV comme lui? Bon, j'avoue, ça va être chaud. Mais ça pourrait être drôle en vrai, non? Est-ce que ça pourrait être drôle? Dites-moi en commentaire, faites-le moi savoir aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche des notifications et de vous abonner à ma page Instagram juste là. Je compte sur vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, vous êtes les boss. Ciao !